Salut à tous et à toutes, c'est Max du 15 au Cojono. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction sur le nouveau son que FT Music a sorti. Ils ont sorti Ça ira il y a 2 heures. Donc n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne FT Music. Le lien de leur chaîne seront dans la description. N'hésitez pas à leur donner de la force pour la suite de leur son et pour leur passion, voilà, qui est le rap. Voilà, donc n'hésitez pas, ça leur fera extrêmement plaisir. Ça change rien pour vous, mais ça change tout pour eux. Voilà, on va tout simplement commencer à écouter et je vais vous dire ce que moi, je pense de tout ça. Allez, 3, 2, 1, let's go. Eh ben franchement, vous savez quoi? Ça mérite le pouce bleu. Voilà, ça mérite le pouce bleu. C'est vraiment le son. Et je le kiffe. Je kiffe le son. Ça a du sens. Ça a du sens et c'est génial à entendre parce que vous voyez que plus ils avancent dans leur son, plus ils s'améliorent. Et en plus, ben cette fois-ci, ils étaient à 3. Plus celui qui filme, mais ils étaient à 3 à faire un petit morceau là. Et franchement, c'est cool parce qu'ils varient. Et franchement, ils doivent vraiment y mettre du cœur pour faire ça. Ça demande beaucoup de travail et de temps. Parce que j'ai remarqué dans le clip aussi qui est bien travaillé avec les transitions, avec les. Voilà, ça a été tourné de jour comme de nuit, enfin du moins le soir. Et ça se voyait que ça a été tourné en plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines. Tout dépend de leur temps libre, parce que forcément, ils ne sont peut-être pas forcément tous libres en même temps. Donc forcément, ils ont trouvé sûrement des jours et ils ont tourné ça en plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça rajoute un truc en plus. Et les endroits, ben forcément, c'est pas les mêmes qu'avant, parce que forcément, dans un clip, ben, tu dois trouver les endroits, tu dois trouver voilà, le lieu et tout le bazar. Et ça, c'est génial. Leur petit moment où ils ont fait les fêtes, moi, ça m'a fait rire dans ma tête, parce que ça me fait penser au rap de maintenant, où il y en a, ils font, tu sais, des fêtes, mais genre avec des insultes. Et là, ben, ça va, parce que c'est, on va dire que moi, j'ai pris ça avec humour. J'ai pris ça, le geste avec humour.
toi. Il y en a, ils pourraient le prendre mal, mais moi, je le prends avec humour. Par contre, si ça aurait été des raps où t'entends que des insultes, mais genre H24, et qu'il y a ça, j'aurais même pas cette réaction. J'aurais même pas cette réaction. Bref, en tout cas, je voulais vous dire, les potos, continuez comme ça, lâchez rien, et faites ce que vous aimez. Moi, je vous donne une note de 10 pour le son. Mes abonnés vont juger, enfin, ils vont juger, ils vont dire ce qu'ils en pensent. Le lien sera dans la description de leur chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça change rien pour vous, mais ça change tout pour eux. Voilà. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. En espérant que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager un maximum. Ça leur fera extrêmement plaisir et ça me fera aussi plaisir que vous partagez leur contenu sur tous les réseaux. Et puis voilà, bref, c'était Max The 15, ciao à tous. Prenez soin de vous et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous, bye bye.